Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de The Last of Us Part 1, évidemment, en 4K, 60 FPS. Comme d'habitude, plongez-vous dans le noir. Un petit truc à boire et à manger. On se retrouve une bonne demi-heure ensemble. Et on avait trouvé ce petit papier. Je vous laisse le lire, évidemment. L'armée américaine donc rappelle ses équipes de recherche. Je vous laisse mettre pause. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas aussi le petit j'aime. Et le petit commentaire, vous savez que ça fait toujours extrêmement plaisir. Et j'espère que vous passez de bons moments. Pensez à vous couvrir, ça y est, c'est la fin de l'été. Ça va commencer à swinguer. Allez, on va tout fouiller. Oh, ça, mon petit pote, ça je prends. On va commencer à tout fouiller. Donc, on avait quitté une zone assez hardcore. Parce qu'il y avait beaucoup de problems, évidemment, un petit peu partout. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg. Que dalle. Qu'est-ce qu'on a là? Que dalle, ok. Ok, donc rien de vraiment intéressant. Et là, peut-être là-dedans. Oh, ça je prends, ça, what? Très bien, je prends. Eh ben, on est pas mal. On est pas mal, les amis. On est pas mal, los amigos. On se casse, on peut repartir. Je rappelle que nous sommes toujours dans l'université. Il y a Ellie qui m'attend non très loin. Peut-être d'ailleurs juste en bas. On va voir tout cela. Ellie? Ah! C'est bon. Encore désinfecté, je vais bien. Viens ouvrir la porte. J'arrive, Ubi, j'arrive. Donc on était passé par cette porte juste derrière elle. Le temps de faire tout le tour, évidemment, ça mène ici. Pour qu'on puisse passer avec le cheval. Parce que c'est la merde. Ah! Et c'est encore là. Oh. Ok. Attends. Je dois prendre ça ou pas? Vas-y, ouvre la porte. Attends, bibiche. Ah non, je dois ramener le chariot. Très bien. Forcément. Bon, bah, faut espérer qu'il y ait encore un peu de batterie. C'est bon. Attends. Là, ça c'est cocasse. Ça c'est cocasse. Ok. Ah, c'est du triphasé ça. Hein. Je reconnais bien. Ok. Et on va le démarrer. En mode. Ah, la machine à tondre. Tondeuse à gazon de l'époque du daron, tu connais. Bien. Essayons la porte. Ouais, allez, passe. J'aurais pas misé une seule pièce sur le fait que le portail s'ouvre comme ça, hein. Faut le savoir. Hein. Allez, allez, Bubiche. Alors, on va continuer de fouiller. C'était des lucioles, tu crois? Non. Non, je crois pas. Pourquoi il y a des infectés aussi près du labo? Bill s'en servait pour se protéger. Si ça se trouve, ils font pareil. Ouais, c'est possible. Bah, il faisait pareil. Va-t'en. Oh. Comment il parle, je suis mort à chaque fois. Hein. Ah, à chaque fois, c'est comme ça, hein. ça dégage. On n'a pas le temps pour tes conneries. Hein. Ma petite Ellie. Hein. Ok. Allez, nouvelle zone, c'est parti. Nouvelle zone. Bonsoir. Il y a peut-être quelque chose à gauche, sur un malentendu. Que dalle. Allez. On se casse. Ça, c'est une très belle zone, ça. C'est une très belle université, c'est une très belle zone. Ok, c'est gigantesque. Oh. Pas de garde. Rien du tout. Ouais, on va bien finir par croiser quelqu'un. Allez, wow. On entre. Alors, ça on prend. Ça évidemment on prend. Je suis tout au max les gars, je suis beaucoup trop chaud. Réellement, je suis beaucoup trop chaud. Allez, file. On va aller fouiller un petit peu à gauche, à droite. J'ai rien à craft. Là, peut-être sur un malentendu. Oui, des outils. Bien sûr. Putain, il y a certaines plantes qui donnaient 50 outils d'un coup. Mais là, 10, ça fait rare, frérot. Hein. Allez, oust. Ça fait rare. Hein. On va tout bien fouiller. Ok. Double tente, ça me plaît. Ok, ça je prends. Oh lolo, ça. Hop,
je prends. Tu connais ce genre d'endroit ? Quoi, à l'université ? Ouais. Non, en tout cas pas pour étudier. Pourquoi ? J'étais jeune quand Sarah est née. T'as été mariée ? Pendant un temps. Juste un temps ? Ok. C'est trop. Exact. Ok. On va fouiller ici aussi, évidemment. Sur un malentendu, il y a peut-être du lourd. Que dalle. Et là, oh, je prends. Oh, une petite médaille. Allez, on prend un petit objet à collectionner. Il reste des lucioles en vie. Ok. J'espère. Eric Griggs. Très, très bien. Va-t'en. Allez. On va aller checker quand même là-haut. Il y a un monde où il y a quelque chose ? Attends, non, il y a rien. Et on va aller checker là-dessus. Il y a un monde où il y a quelque chose. Oh, on peut passer par là. Ok. On va se recentrer un petit peu sur la map. Pour convenablement fouiller une zone. Enfin, retourner. N'hésitez pas à retourner en arrière, quoi. Je veux dire, c'est des petits conseils comme ça que je donne, mais... On peut aller là-bas. Okay. Allez. Toujours commencer par le plus proche avant de s'éloigner. Ok. Et là, on a quoi ? Rien. Bien sûr, on a un petit portail. Pas une petite plante qui se cache, là ? C'est une petite plante qui donne des pilules. J'aime bien ça, les pilules. C'est sûrement un des trucs les plus rares. En vrai, c'est... dans les plus rares, c'est les ciseaux. Les pearls. Parce que ça sert à up Joël. Ok. Alors attendez, là c'est un merdier pas possible. Eh, là-bas alors. Attends-moi là, bibiche. Ok. Ouais, ça ressemble à une entrée. Oh. Alors ça... Attends. Faut que je le mette là-haut. Écarte-toi, bibiche. Attends, y'a un monde où c'est pour ça ou pas du tout? Ok, il y a un monde où c'était totalement pour ça. Je sais pas ce que j'avais en tête, mais pourquoi pas. Ok, ça on peut rien y faire. Je regarde s'il n'y a pas une meilleure utilisation peut-être de cela. En vrai, vous savez quoi, on va l'amener. Hein. On va l'emmener et on va l'utiliser pour monter sur le camion. Ça me paraît pas mal. Ok, voilà. Allez, bouge pas, bibiche. Bon. Ellie, ramène le valcheux. On se casse. Hop, petite cascade, tiens, Ellie. Ça, c'est pour voir à quel point je suis spectaculaire. Ok, on fait quoi pour le cheval? On fait en sorte qu'il nous attende ici, peut-être ouvrir en bas, non? Je sais pas, c'est très bizarre. Parce que là, il fait miskin, hein. Ok. Ok, on y est. Allez, donne-moi ta main. Et voilà. Bien. Merci. Jetons un coup d'œil. Voilà, il y a du monde ici, là, je te le dis. Hein. Là, ma main a coupé. Qu'il y a du monde ici. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Oh, une grosse boîte. Petit établi, ça peut être pas mal. On va checker, on va voir ce qu'on peut faire.
Qu'est-ce qu'on a? Le lance-flamme, vitesse de recharge. En vrai, je sais pas si c'est worth it. On va attendre d'avoir notre quatrième outil, les gars. Vous savez qu'ici, on est... on aime bien être dans l'éco. L'économie. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Et là... Peut-être sur un malentendu. Oh, pas mal. Peut-être sur un malentendu. Oh, pas mal. Des pills. Peut-être sur un malentendu. Pas mal. Ok. Là, que dalle. Les gars, on en est à combien niveau pills? Bientôt pour la santé max. Ça, ça fait plaisir, ça. Il y a des nouvelles, mon pote, je peux te le dire, qui donnent le smile. Attendez. Attendez. On va reload. Ok. Ok. On va garder ça. On va checker. Oh, pas mal. Couteau, putain, les gars, je suis blindé partout. Je suis blindé. Bien plus qu'il n'en faut. Et là, c'est de là où on vient. Très bien. Très, très bien. Qu'est-ce que tu cherches, Ellie? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un bail. Ah, c'est de la porte. Bonsoir. Eh oh! Les Lucioles! Putain, mais gueule pas comme ça! C'est le remède de l'humanité! Y'a quelqu'un? On ferait mieux de rester discret tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Ouais, c'est un petit peu con de gueuler comme ça, Ellie. Malgré tout le respect que j'ai pour toi, utilisez un surin. Regardez-moi cette belle planque! Oh, regardez-moi. Oh, c'est le scotch qui est ultra rare. Ok. Oh, outil numéro 4. Oh là. Mais attends, ça veut dire que si j'utilisais pas de surin là, c'était fini. Les gars. Si j'utilisais pas de surin, c'était fini. Mais what? On a réussi à atteindre le niveau 4 ou pas, les potes? Rayon accru des bombes incendiaires. Oh là 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 là. Oh lo 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 lo. Oh. Oh. Un petit peu de scotch. Oh. Oh. Et je suis le roi du pétrole. Oh. Ok. Alors attendez. Regardez-moi ça. Ah là. Full vie, mon pote. J'ai pas le temps pour tes conneries, moi, d'accord? Waouh. Alors attendez. Attendez, je ne pensais pas que tout allait aussi vite ici. Merde, je sais même plus où on modifie d'ailleurs ces armes. Je crois que c'est juste ici. Exceptionnel. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Rien. Bon, vas-y, flemme. On verra la prochaine fois. De toute façon, j'avais dit que j'allais un petit peu écho. Mais en tout cas, je suis extrêmement content, les amis. On a trouvé tous les outils. On va pouvoir s'upgrade à 100%. Et ça, c'est assez ouf. Donc, let's go pour la suite. Oh là! C'est une bien belle salle. Oh, des ascenseurs. Ça, vous savez que les ascenseurs, ça mène très souvent en enfer. Hein. Quand tu prends un ascenseur, c'est souvent un aller simple pour l'enfer. Donc, ça me plaît plutôt moyen. Heureusement qu'on prend pas d'ascenseur et qu'il faut monter d'ailleurs. Quoi? On n'est pas seul. C'est peut-être l'un d'eux. T'éloigne pas. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Attends. I am not serein. Ok. Très bien. On n'est pas tout seul. Ok, je vois rien. On va augmenter la portée du mode écoute, ça me paraît indispensable. Aucun cadavre. C'est bon signe, non? Il faut qu'on trouve où ils sont allés. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Ça, je prends. Ok. J'ai peur que ça soit ceux qu'on ne voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, ça.
Je prends. Ok. Ça, je prends. Ok. Ça a pas l'air d'être ceux qu'on ne voit pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'on les voit pas quand même. Ok, ça je prends. Normalement, j'ai que 5 pills. En vrai, portée du mode écoute, hein, 50. Hein. Confection rapide, 25, c'est vraiment pour la gloire. C'est si je vois qu'on est à la fin du jeu, frérot, et qu'il faut en utiliser. C'est pas le truc qui me fascine le plus. Ok. Par contre, faut sucer qui, les gars, pour avoir un putain de rouleau de scotch? Ok, on va tout ouvrir, Balek. Je ne sais même pas pourquoi on marche là en fait. Ok. Qu'est-ce que c'est? Les infectés ont tué deux autres de nos gardes. Ils vont encore tenir une putain de réunion au sujet de la sécurité du labo. Tout notre équipement est ici. Toutes nos données. Tout le personnel s'est habitué à vivre ici. Bon, je vais faire d'autres tests. Sinon, cette incompétence va me rendre complètement fou. Ok. Un petit enregistrement, ça fait plaisir, des petits records comme ça. Vous savez, je me dis, le jour où c'est la fin du monde, les gens qui ont sauvegardé... une de mes vidéos, ça laisse une trace, les gars. Je sais pas si c'est la meilleure des traces. Attends. Alors, là, on va se battre. Là, attends. Alors, les gars, il n'y a qu'un endroit ultra précis... Waouh, c'est bon. Eh ben, oh là là, en plus pour du scotch, bien sûr que ça vaut le coup. Bien sûr que ça vaut le coup. Allez, oh non, j'ai même pas assez, putain. Et donc ça fait plaisir, tu vois, je me dis, imagine quelqu'un écoute pendant la fin du monde une de mes vidéos, c'est exceptionnel. C'est du bonheur en barre. Là, je sais pas ce qui se passe. On va sortir avec ça au cas où. Ok, ça on prend. Bien sûr qu'on prend ça. Il y a des trucs partout, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Mais vous avez vu? Merde. Sûrement des claqueurs, tu crois pas? Non, les claqueurs ne se cachent pas. Oh. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est les petites fouines. Toujours avoir un œil derrière. C'est ceux qui se montrent pas. Et on les appelle ceux qui ne se montrent pas. Ok, ça on prend. Je vais tenter un truc. Ça a pas fait une putain de once de bruit. Putain, mais c'est pas possible. C'est quoi, wesh? J'ai trop peur de voir un truc traverser comme ça d'un coup, là. Là, je commence à avoir la pâteuse. Vous la connaissez? Oh bah, dites donc. Radio de développement fongique dans le cerveau d'un patient. C'est... Ouais. Ouais, ça c'est un bel hématome. Hein. Ça va toi, t'es posé? T'as pas l'impression que derrière il y a quelque chose qui est rentré? Des singes? Bon, au moins c'est pas des claqueurs. Ouais. Ni des lucioles. Bah, peut-être qu'à force de chercher, ils se sont transformés en singes. Continue de chercher, on trouvera bien quelque chose. Ok. Ok, ok. Ah, enregistrement. Oh, celui-là, il est bleu, c'est peut-être un signe. Et voilà. 4 palettes de matériel sont emballées et prêtes à partir.
Maintenant, reste à savoir ce qu'on va faire de vous, les gars. Ils veulent qu'on euthanasie le groupe infecté. Mais vous savez quoi? Qu'ils aillent au diable. C'est vous qui avez fait le plus gros sacrifice dans tout ça. Si quelqu'un mérite de retrouver la liberté, c'est... Hé hey, tout doux. Ah, merde. Oh non. Il m'a mordu. Oh, c'est pas vrai. Oh. Attends, il est beaucoup trop serein. Heureusement qu'on n'a pas eu affaire aux singes. Il dit pas où ils sont allés. Je sais, cherchons encore. Comment les singes, ils ont mangé quoi les refs là? Pour survivre? Enfin du moins ça fait combien de temps qu'ils sont là les... Oh. Ça fait combien de temps qu'ils sont là les singes? Parce que c'est bizarre quand même hein. Alors c'est qui ça? Sadie Pearl Hickman. Ok. Ok Sadie. Ok. Très bien, là c'est une sortie. On va fouiller ici quand même avant. Ok, on peut rien faire. Ah, excuse-moi Ellie. Ok, très bien. Bon, y a pas grand chose. On est parti, suite de nos aventures. Mais voyez, ils auraient pu faire en abondance des scènes d'action, des infectés partout, des humains partout. Mais non, là c'est une phase tranquille d'exploration. On en apprend un petit peu dans la tranquillité. C'est ça, en fait, qui te met dans l'ambiance, The Last of Us, tu vois. C'est ça la magie. Si vous cherchez les Lucioles, ils sont tous partis. Non, sans blague. Je suis mort. Ou je le serai bientôt. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte de... Je n'ai plus envie de continuer. Allez. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez, en train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Est-ce que tu sais où c'est? Ouais, je connais la ville. C'est loin? C'est pas tout près, enfin, à cheval. Quoi? Les Lucioles? Baisse-toi! Oh ah. Putain, mais c'est qui ces types? Peu importe, on sait où aller. Allez, okay. Viens, fiche le camp d'ici. Bon, bah j'ai rien dit, j'ai compris pourquoi ils ont fait. Ça a déjà investi le bâtiment, je suppose, c'est ça? Oh merde. Ok. Allez, nique ta mère. J'ai pas quitté. Hop. Voilà, suivant. Oh putain, c'est le seul chemin. Ok. Très bien. Toi, je t'ai vu, bibiche. Ah. C'était chaud. T'as entendu ça? Ouais, ouais, j'ai entendu. C'est pas grave. Plus de peur que de mal. Ok. Ok.
Il est parti. Cherche encore. C'est très dessin animé. Hey, il est... Tu les vois ? T'es mort, enfoiré ! Ellie, éloigne-toi d'eux ! Oh putain. Oh la patate de cow-boy. Incroyable. Incroyable. Il m'a pourchassé, mon ref. Ah, je vais pas vous refaire la scène, vous l'avez vécu avec moi, hein. Ok, on se casse. Attends, quoi? C'est quoi, ça? Une brique. Oh, oh, oh. Sur un malentendu, il y a du scotch. Ben ouais, mon ref. Allez. Sur un direct. Oh. Ok. Très bien. Bah, je pense qu'on va devoir se barrer par un ascenseur en bas, non ? Ok. Là, j'ai plus le temps, là, j'ai plus de pitié, j'ai plus rien, moi, les gamins. Ok. Je sais pas combien ils sont. Ah ! Connard ! Putain, il m'a fait... Les amis, on va sûrement s'arrêter là. Je vois personne. Allons-y. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Ah, c'est la merde. Plus il y a de likes, mieux je me sentirai. Je peux vous le dire. Ok. Allez. Allez, bouge. A bientôt tout le monde. Merde. Je vous vois. Allez. Bon, reste ici. Je vais coincer ce connard. Allez. Merde. C'est mes potes qui ont descendu. Sors de là. T'as envie de jouer au plus malin ? Je vais bien. Tu vas pas bien, Joël. Allez, viens. Dépêche-toi. Il y a personne. Dépêche. Tu t'en sors bien. Continue. J'arrive. Vers les doubles portes.